Et oui, après 2 ans et demi sans avoir roulé en moto, me revoilà sur les routes. Cet été, ce fut un petit road trip en Pologne. Et en ce début d'automne, ça sera la section 19 du TET France pour une remise en route sur les chemins. Le TET, pour Trans Euro Trail, c'est un ensemble de traces à travers l'Europe pour pratiquer la moto hors route. La section 19 du TET France nous emmènera de Guise dans l'Aisne jusque Troyes dans l'Aube. C'est donc au petit matin que je me mis en route pour retrouver les potes à Guise. ...240 km à jouer à saute-mouton entre la Belgique et la France au départ du Luxembourg. Malgré le soleil, il ne fait pas bien chaud, à peine 5 degrés. Mais c'est pas grave, j'ai pris ma petite laine. Après des retrouvailles au McDo de Guise, on entre directement dans le vif du sujet. Les chemins sont faciles et roulants, et au vu des pluies des jours précédents, c'est étonnamment sec et même poussiéreux. Si pour Superman la kryptonite est son point faible, pour moi c'est de rouler sur l'herbe. Je perds totalement mes moyens, je suis en stress total et je fais n'importe quoi. Il faut dire que la dernière fois que j'ai roulé sur l'herbe, je suis passé par-dessus la moto. J'avais pas vu le trou, la roue avant non plus. Merci la bague. Mais heureusement, il y a tonton Xav pour vous prodiguer les bons conseils et faire que ça se passe un peu mieux. Heureusement, toute chose a une fin, l'herbe aussi. Ah, ben non, c'est comme chez le boucher, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. J'aime pas l'herbe. Quoi? T'aimes pas l'herbe? Eh bien, reprends-en avec un supplément boue. Ça t'apprendra à être difficile. Avec un vrai chemin sans herbe, c'est nettement mieux, hein? Dommage que ça ne dure pas. Heureusement que, comme il disait, c'est étonnamment sec et poussiéreux. Sinon, qu'est-ce que ça serait, hein? Du coup, bah, l'herbe, c'est peut-être pas si mal que ça, en fait. Hein? Les pneus ils sont pas dégueux. On va encore être trop c'est bon. Nous ferons étape à Reims, la Neuvillette, après une superbe journée en bonne compagnie. Même les motos ont été chouchoutées. Visez-moi ce parking 3 étoiles. Après une nuit courte et moyennement réparatrice, on repart pour continuer la trace. Le temps est toujours au beau fixe,
les champs font place aux vignes, et l'herbe est toujours sur les chemins. Et je ne l'aime toujours pas. Oh putain! Le dimanche, les chasseurs sont sortis. Donc, attention à se respecter mutuellement. Là, ils sont à l'apéro. Je pense qu'on va pas les déranger beaucoup. Les pauses en chemin, c'est comme au café du coin. Il y a toujours des philosophies de comptoir. Tu vois que mon pneu il est à l'endroit. Attends, je peux te dire que j'ai fait une descente avec Papy Jean-Gab qui était à mon cul de Delphinistré et je peux te dire qu'on est descendu vite quand même. T'as bu là? Non. Bah, bois. Tiens, bois ma bave. Oh. Elle est meilleure. Il est où? Faut faire comme ça. Tu le prends dans ta bouche et tu fais comme ça en même temps. Ok. Voilà. Je te donnerai un autre truc tout à l'heure. De l'herbe, toujours de l'herbe. Je vous ai déjà dit que j'aime pas l'herbe. Déjà étonnamment sec et poussiéreux. J'avoue, cette forêt aura eu raison de moi. J'abandonnerai mes compagnons pour rentrer à l'hôtel car trop fatigué. Ils continueront la trace encore un bout avant d'aller en station de lavage et me rejoindre pour aller au resto. Certains sont tellement pressés qu'ils ne rentrent même pas dans leur chambre pour se changer. Un bon repas entre potes terminera ce fabuleux week-end.